Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Donc, pourquoi ? Pour vous parler un petit peu plus de notre site, pour mieux vous le faire connaître et vous faire comprendre nos intentions à travers ce site et ces petites vidéos. Nous avons vraiment notre mission très à cœur et c'est aussi pour cette raison que tous les jours, si vous venez sur le site Comparateur Banque, eh bien vous verrez que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Soit un nouvel article, soit une nouvelle vidéo, soit un nouvel acteurs que nous allons intégrer sur le site, soit de nouveaux comparateurs. Et par exemple, hier, nous avons décidé de vous mettre à disposition trois nouveaux comparateurs. Donc, il s'agit d'un comparateur assurance habitation, chose que nous n'avions pas avant, un comparateur d'assurance vie. Avant, nous faisions des comparatifs sur les principaux acteurs, mais c'est vrai que c'était quand même assez limité. Donc, aujourd'hui, nous avons un vrai comparateur qui compare les offres de plus de 70 organismes. Nous avons également enfin un comparateur d'assurance moto. Ben voilà, nous faisons beaucoup pour l'automobile mais très peu pour la moto. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous proposer un comparateur pour l'assurance moto. Autre grosse nouveauté, nous avons vraiment décidé avant de vous mettre ceci en avant parce que c'est vrai que ça peut être assez délicat et pas forcément facile à comprendre pour vous. C'est pourquoi je décide de vous en parler dans cette vidéo. Nous avons décidé de vous proposer non pas un, mais deux comparateurs pour certaines recherches que vous faites et qui sont vraiment très fréquentes. Donc nous avons fait ceci par exemple pour l'assurance santé, l'assurance automobile et l'assurance animaux. Ce sont trois types d'assurances qui sont très demandées de votre part en ce moment. Et c'est vrai que nous, de notre côté, nous avions jusqu'à présent donc, un seul comparateur qui comparait les offres de différents acteurs d'une certaine manière. Et nous avons décidé d'aller plus loin que ça afin que vous puissiez avoir encore plus de choix. Donc aujourd'hui, si vous allez sur Comparateur Banque, non seulement vous allez pouvoir comparer, donc bien entendu, les banques en ligne, les néobanques et les nouvelles, et les banques traditionnelles, mais vous allez aussi pouvoir faire un travail vraiment de fond sur tout ce qui est assurance. Comme vous le savez, nous mettons à disposition sur ce site de nombreux outils gratuits. Donc il s'agit par exemple des calculatrices qui vous permettent de calculer tout ce qui est calcul du taux d'endettement, calcul des mensualités que vous allez devoir verser tous les mois. Donc là on se place dans le cadre des crédits, crédit immobilier, crédit à la consommation également. Vous allez pouvoir également calculer, par exemple, simuler les frais de notaire lors d'un achat immobilier. Vous allez pouvoir simuler également votre tableau d'amortissement, ce qui peut être très pratique si vous voulez voir justement où est-ce que vous allez vous situer dans les années à venir, dans les mois à venir, et de quel salaire vous allez avoir besoin pour réaliser vos projets de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez un projet avec un budget défini. Et derrière, donc, vous avez ce que vous avez dans vos finances. Et donc, il faut voir si les deux correspondent. Et si cela ne correspond pas, eh bien, nous vous proposons non plus d'être victime de votre banquier qui vous arnaque donc, potentiellement en ajoutant des frais inutiles ou avec votre assureur qui vous promet monts et merveilles et qui au final ne vous garantit rien et ne vous rembourse rien lorsque vous avez un problème. Donc nous vous proposons de passer de ce statut de victime au statut de réel acteur de votre vie pour reprendre en main votre pouvoir d'achat. Donc voilà, donc nous espérons que vous êtes en accord avec nous pour relever ce challenge, pour prendre en main votre pouvoir d'achat et pour aller de l'avant. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si vous avez donc des commentaires à faire, des éléments à ajouter à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire juste en bas de cette vidéo. Et voilà, nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.